Bienvenue à tous. Je vous remercie d'être plus en plus fréquents sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez de cliquer sur la clochette de notification, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, dans un cadre de meurtre, je sais que bizarre, surtout dans cette affaire ou bien ce sujet, affecté par la plupart des gens moralement d'une manière négative. Mais la vérité contre nos pensées, car la vie généralement change. Et aussi les développements des pensées humaines peuvent conduire du meurtre et à l'agression. Alors, si pour ça, on peut présenter la majorité du crime faire par les pires tueurs en série. Martin Dumollard est considéré dans l'histoire des tueurs français comme le premier tueur en série de l'histoire française. Il a en effet tué 3 femmes et en agressé 9 autres. Il leur proposait une place pour les attirer avant de les agresser. Sa femme faisait le recel des vêtements des victimes et les revendait quand il ne les conservait pas. Martin Dumollard est arrêté en 1861 après 10 ans d'agression et finit sur la guillotine. Sa femme est coopère à elle de 20 ans de travaux forcés. Martin Dumollard naît le 21 avril 1810 dans la ville de Tramois, petite commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au moment de sa naissance, la petite bourgade comptait 166 âmes. Martin a pour parents Pierre Desmolla, un hongrois criminel né à Pest en Hongrie qui a rencontré Marie-Joseph Rai à Sala. Le couple se marie et s'installe dans la foulée dans un hameau, le Moulard, situé entre Danieu et Tramois. La famille portera dorénavant le nom du hameau mixé à celui du père, ce qui donnera Dumollard. En 1813, naît le second enfant du couple, Raymond, qui va mourir en bas âge. Les habitants du bourg vont alors se mettre à appeler Martin comme son frère pour on ne sait quelle raison. En 1814, les armées austro-hongroises pénètrent dans l'Ain. Pierre Dumollard s'enfuit alors pour Padoue afin de leur échapper. Mais il est reconnu par des soldats et arrêté puis exécuté par écartèlement. Martin et sa mère auraient assisté à l'événement. À l'âge de 8 ans, il commence à travailler comme berger, puis entre comme domestique au château de Sûr, à Saint-André-de-Courcy, où il va rencontrer celle qui deviendra sa femme le 29 juin 1840. Marie-Anne Martinet, le couple s'installe à Montpellier puis à Dagneux. En 1842, c'est au tour de sa mère de décéder. Martin a 32 ans. Il est pauvre et part pour Lyon après avoir commis plusieurs larcins pour vie. Il semble que ce soit à ce moment-là que les agressions et les meurtres s'en commencent. Martin Dumollard aborde de jeunes filles auprès desquelles il se fait passer pour un employé chargé de recruter une nouvelle domestique pour son patron. Dumollard promet à la victime une bonne paye, comme il a l'allure d'un nigo. Il ne se méfie pas. Celle-ci, convaincue, accepte de le suivre. La jeune fille met quelques vêtements dans son baluchon et le suit. L'agression est en général violente. La jeune fille est battue, violée, dépouillée de ses vêtements avant d'être enterrée vivante. Certains s'en tueront à l'instar de Marie-Eulalie Busseau, qui viendra témoigner le 26 février 1861. La première victime sera Marie Badet, tuée en forêt de Montaverne et dont le corps sera retrouvé par des chasseurs. Des clichés de la victime seront faits pour permettre de pouvoir identifier le corps meurtri et mettre un nom sur son visage. Elle sera une première fois
identifié sous le patronyme de Marceline Ganelli, avant d'être enfin identifié par ses parents. Les Baudet, le jour de sa disparition, son employeur Madeleine, au son don dirait que la jeune fille avait donné sa démission pour une nouvelle place, payée plus de 200 francs annuels de l'époque. Martin Dumoulard ne sera pas inquiété par ce meurtre, car dans un premier temps, c'est un certain Jacques Verger qui sera arrêté et mis en prison pour 3 mois avant d'être relâché. Un second suspect sera envisagé, mais il se trouve que l'homme se trouvait en prison au moment du meurtre. La prochaine victime sera Olympe Alubert, qui a agressé en mars 1855 et qui survivra. La jeune fille parviendra à trouver refuge dans la ferme de la famille Barbette, à Mionnet. Elle racontera plus tard au juge Jeannot comment Martin Dumoulard l'a abordé. Cela s'est passé place de la Guillotière à Lyon de matin du 25 février. Il lui a proposé une place comme bon avançant une paye bien rémunérée. Cette place devait se situer entre Neuville et Miribel. Après avoir accepté, la jeune fille vit arriver la semaine suivante Martin Dumoulard pour les mener. Sur la route, l'homme a la lèvre difforme. En fait, il a un angion. À la cinquantaine entamée, et parlant bien français comme il le décrira la Grèce, elle parviendra heureusement pour elle à s'échapper menu d'un doute quand elle le voit se pencher sur les cailloux et relever le regard sur elle. Joseph Charlety, domestique à Vernaison, aura aussi la chance de s'en sortir. La jeune fille se fait aborder en septembre 1855 par un homme à Lyon qui lui propose une belle place. Comme Olympe, Joseph accepte et retrouve Martin Dumoulard le 22 septembre. Le départ, alors par la route, traverse le plateau de la Croix-Rousse, puis le chemin qui conduit au fort de Montessuy. Sur la route, Dumoulard se montre insistant sur le pécule supposé qu'aurait émené avec elle la jeune fille, fatiguée et méfiante. Elle décide de prendre une chambre dans un gîte et donne rendez-vous à son compagnon pour le lendemain. Finalement, elle retourne à Lyon et échappe ainsi au tueur. Pas le moins démonté par ce manque à gagner, Martin Dumoulard se jette sur une nouvelle proie. Jean-Marie Bourgeois, 22 ans, habite de la chapelle Tecle. À elle aussi, il propose une meilleure place dans les environs de Trévoux. Le lendemain, 31 octobre 1855. Les deux partent à pied au fur et à mesure que les kilomètres s'égrènent. La jeune fille devient elle aussi méfiante, prend peur et se met à courir en direction de la première ferme venue pour s'y réfugier. Benoît Bertellier, qui la recueille, entend son histoire et fait immédiatement le lien avec le meurtre de Marie Badet, décédée en février. Confronté à Jacques Verger, le suspect enfermé, Jean-Marie Bourgeois, permet d'innocenter l'homme et de le faire relâcher. Cela n'arrête pas Martin Dumoulard, qui tente une nouvelle de mettre la main sur une autre victime. Ce sera Victorin Perrin, 22 ans. L'homme du opérandu est le même. Il persuade la jeune fille de prendre ses plus précieuses affaires pour son nouveau poste. Et voilà les deux compagnons de route qui partent ensuite pour Montluel. Au abord de Néron, Dumoulard, peut-être échaudé par ses précédentes tentatives, n'attend pas que la jeune fille s'en aille pour lui subtiliser ses effets et s'enfuir. Victorin Perrin, sous le choc, trouve refuge chez des habitants effondrés d'avoir tout perdu. En 1857,
il tue celle que l'on appellera l'inconnue du bois de Montemain. Cette affaire sera rapportée à la femme de Dumoulard lors de son interrogatoire. Martin ramène les habits et les boucles d'oreilles en or de sa victime à sa femme, avant de ressortir pour enterrer le corps. Le lendemain, il se rend à la gare de Montluel et récupère la malle qu'il avait laissée à la consigne. La série continue avec Marie Pichon. Le 28 mai 1861, que Martin Dumoulard aborde sur le pont de la Guillotière. Il lui propose, comme aux autres, une place de bon payé de 150 francs. 50 francs de plus que pour sa première victime. Celle-ci est ravie de la proposition et rejoint Martin au point de ralliement avec ses effets réunis dans une malle. Là, voici partie dans le train pour Montluel, où elle arrive en soirée. Elle et Martin partent ensuite à pied et traversent les bois. C'est là qu'il l'agresse et qu'il tente de l'étrangler avec une corde qui s'apprend à un lasso. Mais Marie parvient à s'échapper et trouve refuge dans une ferme, celle de Monsieur Joly Abanon. Ni une, ni deux. Joly, après s'être assuré que la victime soit à l'abri, sort et va trouver le garde champêtre de Danieux pour lui raconter les faits. Quand il entend la description de l'agresseur, le garde champêtre comprend qu'il s'agit du démené Martin Dumoulard, domicilié à la rue du Moulard et oui à Danieux. Quand il va visiter le couple, la conviction du garde est faite. Martin a bien agressé la jeune femme et il se rend manu militari chez le juge Genoux pour lui parler de ses soupçons. Le juge Genoux décide de faire arrêter Martin Dumoulard et organise une confrontation avec Marie Pichon qui le reconnaît aussitôt. L'homme est alors emmené tout droit à la prison de Trévoux. Sa femme suit et une perquisition est organisée qui va permettre de découvrir 1250 vêtements de femmes, dont des bas, des jupons, des dentelles, robes, etc., appartenant en grande majorité aux victimes. Avec ces événements, le procès est rapidement programmé. Il se tiendra le 29 janvier 1862 à Bourg-en-Bresse. Le procès se tient du 29 janvier au 1er février, soit 5 jours, et se déroule au palais de justice au Bourg-en-Bresse, devant une foule de 4000 à 5000 personnes et de journalistes venus couvrir l'événement. Les avocats des époux du Moulard sont Marius Lardière et Maître de Villeneuve. 71 témoins défilent devant la cour, puis ce sont Martin et sa femme. Les journées du 30 et du 31 janvier sont consacrées à la présentation de pièces à conviction. Puis, ce sont les réquisitoires et les plaidoiries jusqu'à 16 heures. La cour se retire ensuite pour délibérer pendant 30 minutes. Quand elle revient, c'est pour condamner Dumoulard à mort et sa femme à 20 ans de travaux forcés. Après sa condamnation le 1er février, Martin est emprisonné à nouveau, où il reçoit de nombreuses visites dont le vicaire et l'aumônier des prisons. Le 27 février, c'est le pourvoi en cassation présenté par son avocat qui est rejeté. Ces deux avocats ayant oublié de déposer le mémoire requis. Il apprend également qu'il sera
guillotiné. J'aime mieux ça que d'être comme mon père, écartelé sur une roue en étant tiré dans tous les sens par des chevaux. Le 7 mars 1862, c'est la veille de son exécution. La guillotine est installée sur la place Bourgeat. Et l'abbé Bourreau permet à Martin Dumoulard de prendre un dernier repas avec sa femme avant de mourir. Il est ensuite emmené dans une voiture à cheval et arrive à Montluel le 8 mars, où il est attendu par une foule considérable malgré le fait qu'il soit 7 heures du matin. Dumoulard boit un dernier café, puis prend le verre du condamné à Madère. À 6h45, accompagné de l'abbé Bourreau et du curé Carrel, il se dirige vers la guillotine qui se trouve 150 mètres plus loin. Le bourreau l'attend, ainsi qu'une foule de 5000 personnes. Il embrasse le crucifix qui lui est présenté, puis s'agenouille avant de s'allonger. L'alarme passe. Il est exécuté à 7h04 du matin. Son corps est ensuite enterré dans un lieu indéterminé, même si on pense qu'il se trouve au cimetière de Montluel, près de la chapelle. Sa tête, elle est envoyée dans la caisson à l'école de médecine de Lyon pour études. Plusieurs moulages vont ainsi être faits qui seront conservés au musée Testulat-Arger. Quand sa femme, Marianne Martinet, elle mourra à la prison de Bérif en 1875. Le 17 janvier 1859, et la bordure de la Charité, Joly Farja, originaire du Tizi qui vient se perdre sa place de bon parce qu'enceinte. Elle se laisse convaincre par Martin Dumoulard d'une place à Saint-André de Courcy. Le lendemain, sur le chemin alors qu'il fait nuit, il l'agresse et lui arrache son tablier qui contient ses économies. La jeune fille hurle et il prend la fuite quand il voit arriver deux hommes dans leur direction. Julie, aidée par Simon Mallette et son fils, dépose plainte auprès de la gendarmerie, mais incapable de prouver son identité. Elle se voit condamnée pour vagabondage. Le 11 décembre 1859, Martin Dumoulard agresse une nouvelle jeune femme près de Sainte-Croix. Un meunier, Jean-Pierre Chrétien, est témoin de la scène. Dans la soirée, l'homme a vu passer un individu ressemblant à Dumoulard et une jeune fille qui portait un collier avec ses affaires personnelles sous le bras. Quand celle-ci se fait agresser par son compagnon de route, le meunier a tenté de courir près lui sans succès. Il héberge la jeune fille qui repart le lendemain pour lui en s'emporter plainte. Elle ne sera jamais retrouvée ni identifiée. Début février 1860, revoit la Martin avec une autre jeune fille qui l'accompagne. Il s'arrête à l'auberge Labord tenue par Louise Adèle Fleury. Labord, de Lyon et de Jeune, au restaurant de Marguerite Chorel. À ce qu'il interroge, il dit que la fille qui l'accompagne est sa jeune nièce et demande une chambre avec deux lits. Mais la jeune fille, effrayée par la perspective de dormir dans la même chambre que lui prend la poudre d'escampette. Il semble que le tueur l'ait rattrapée car lors d'une
perquisition qui aura lieu après son arrestation. La police trouvera ses effets au domicile de Dumoulard. 2 mois s'écoulent encore avant que Martin ne tombe sur Louise Michel le 29 avril. Comme pour les autres, elle la convainc de le suivre et prend avec elle le chemin pour sérieux. Sur la route, elle l'agresse et lui vole son argent. La jeune femme parvient à s'échapper avant qu'il ne la tue et trouve refuge chez un fermier Claudemont. Martin Dumoulard ne cherche pas à courir après les fuyants en traversant les terres agricoles. C'est là qu'il tombe sur Simon et Louis Mallet, qui avaient recueilli 2 ans auparavant l'une de ses victimes, Jolly Farja. Les deux hommes qui l'ont reconnu se rendent à la gendarmerie et font déposition de leur témoignage. Marie-Eulalie Busseau, disparue en 1861. On retrouvera ses vêtements chez les Dumoulard et sa sœur reconnaîtra en la personne de Martin celui qui a proposé un poste à Marie-Eulalie. Plus tard, la femme de Martin, Marianne Martinet, amènera le juge au bois des communes près de Pizet. Là où va être retrouvé le corps de Marie-Eulalie, corps qui portera des marques de viol et qui semble avoir été enterré vivante. Au total, il y a 17 victimes de 1978 à 1981. L'Américain Jeffrey Dahmer a assassiné 17 personnes d'une manière si cruelle et horrible qu'il a été surnommé le cannibale de Milwaukee. Et tandis que l'histoire récente des États-Unis a été parsemé de tueurs en série causant la mort de centaines de personnes. La vérité est que les méthodes utilisées par Dahmer, non seulement pour tuer ses victimes, mais aussi pour se débarrasser de leur corps, en ont fait le point central de l'attention des criminalistes experts et du grand public. Des dizaines de séries télévisées, de films et de pièces de théâtre ont été réalisés sur sa vie et ses crimes, sans compter les textes qui ont été écrits, des reportages aux livres avec des témoignages de ses camarades du lycée. Le dernier de ses produits a été présenté en avant-première sur la plateforme de streaming Netflix, une série en 10 épisodes explorant les crimes de Dahmer, mais aussi son enfance et une partie de son adolescence, intitulé Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Cependant, sa sortie n'a pas été sans critique. En grande partie, beaucoup considèrent que le récit de la série ne prend pas en compte le point de vue des victimes. C'est triste qu'il ne fasse que gagner de l'argent grâce à cette tragédie. C'est juste de la cupidité, a déclaré Rita Isbell, sœur d'Errol Lindsay, l'un des victimes de Dahmer. L'un des problèmes qui a le plus retenu l'attention des autorités policières et des médecins qui ont soigné Dahmer est que, contrairement à la plupart des tueurs en série, l'homme n'a pas traversé en enfance traumatisante, d'abus et de mauvais traitements. Il est né à Milwaukee, dans l'état de Wisconsin aux États-Unis en mai 1960. Son père Lionel Dahmer, qui lui rendait visite en prison même après la révélation de son acte criminel, était chimiste et sa mère Joyce Annette travaillait comme télégraphiste. Selon plusieurs biographies, dont celle publiée par la presse américaine, certains de ses professeurs ont commencé à remarquer un changement dans le tempérament de Jeffrey vers l'âge de 10 ans. Et l'ont lié au fait que son père n'était pas beaucoup à la maison et que sa mère avait reçu un diagnostic de maladie mentale. Cependant,
C'est à l'adolescence qu'il a commencé à afficher certains des comportements qui marqueraient les années au cours desquelles il a commis les meurtres, comme le montre la série Netflix. Dahmer a toujours été intéressé par la dissection d'animaux morts. La femme qui fit plus tard une compagne de son père, Charlie Dahmer, a déclaré au magazine Time qu'elle savait que Dahmer utilisait de l'acide pour diluer les tissus mous des animaux et extraire les os, une pratique qu'il appliquerait au corps de ses victimes. Selon le propre récit de Dahmer, devant les autorités, qui a ensuite été publié dans des rapports locaux, le divorce de ses parents. Survenu alors qu'il était sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires, a encore approfondi ce sentiment d'abandon que ses professeurs avaient ressenti pendant son enfance. Et c'est à cette période qu'il commet son premier meurtre, en juin 1978. Il tue Steven Hicks, un jeune de 18 ans qui se rendait à un concert près de l'endroit où habitait Dahmer. Dahmer, qui avait également 18 ans à l'époque, l'a trouvé au volant de sa voiture sur une route voisine et lui a proposé de conduire Hicks au concert, mais l'a d'abord invité chez lui pour prendre un verre. Là-bas, il l'a frappé deux fois à la tête, avec un poids avec lequel il avait l'habitude de faire de l'exercice. Dahmer expliquera à la police plusieurs années plus tard que la raison pour laquelle il a frappé X était parce qu'il avait hâte d'aller au concert et ne voulait pas lui tenir à compagnie. Avec X, il entame également un rituel macabre avec les corps de ses victimes. Il les démembre, dilue les parties dans de l'acide, puis stocke les ossements qui restent après la destruction des parties molles. Dans le cas du X, qui se répétera avec d'autres victimes, Dahmer a gardé la tête entière pour qu'il puisse la contempler seul, selon ses propres déclarations. Pendant environ 9 ans, rien d'autre. Il est allé à l'université de l'Ohio, d'où il a été expulsé après seulement un semestre en raison de ses absences et de sa faible moyenne académique. Son père, qui a donné plusieurs interviews sur son fils, souligne qu'après avoir été expulsé de l'université, il a envoyé à l'armée, mais qu'il en a également été expulsé pour son alcoolisme. En 1981, Dahmer a aménagé avec sa grand-mère dans une maison à Milwaukee. C'est sur place qu'il a eu ses premières relations sexuelles avec d'autres hommes. S'est consacré à fréquenter des bars gays et a été au chômage pendant de longues périodes, en partie à cause de sa dépendance à l'alcool. En novembre 1987, il commet son deuxième meurtre. Celui de Steven Tuomi, un homme de 25 ans. Selon le témoignage qu'il a donné lors de son procès après sa capture, Dahmer a rencontré Tuomi dans un bar et l'a convaincu d'aller dans une chambre d'hôtel avec lui. Dahmer se nie dans son témoignage qu'il ne se souvient pas comment il a assassiné Tuomi, qui s'est réveillé le lendemain avec le corps sans vue du jeune homme et ses mains pleines d'ecchymose. À partir de là, il commencera une série de meurtres qui suivront un mode opératoire similaire. Dahmer rencontre un jeune homme dans un bar, le ramène chez lui d'abord dans la chambre de sa grand-mère. Mais sa grand-mère finit par le jeter dehors et l'en finit par louer un appartement bon marché au centre-ville de Milwaukee, où il drogue sa victime pour l'étrangler. Au début, il a ramené chez lui des hommes qu'il a séduits dans des bars. Mais plus tard, il a commencé à leur offrir de l'argent pour qu'ils posent nus pour lui.
C'est ainsi que Richard Guerrero, James Duxeter, Anthony Searles, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Stroder, Errol Lindsay, Conerac, Santa Sonfon, Tony Hicks, Oliver Lacy, Matt Turner et Joseph Bradwaft en étaient assassinés. Une fois le meurtre terminé, Dahmer a démembré le corps et a tenté de préserver ses parties en les gardant au réfrigérateur ou en les submergeant dans des substances telles que des solutions salines. Ces tâches de démembrement et de conservation ont été effectuées dans l'appartement qu'il louait au centre-ville de Milwaukee. Et malgré les plaintes constantes des voisins concernant l'odeur et les sons étranges, pendant plus de 5 ans, les autorités n'ont pas pu le découvrir. En juillet 1991, Dahmer a convaincu Tracy Edward, un homme noir de 32 ans, de l'accompagner chez lui pour prendre des photos de lui en échange de 100 dollars. Cependant, comme il l'a raconté lors du procès, qui a suivi peu de temps après, Edward a découvert les plans de Dahmer, a réussi à s'échapper de l'appartement et à attirer l'attention de deux policiers, qui se sont immédiatement précipités sur les lieux. Après avoir découvert quelques photos de corps émembrés, Dahmer a été arrêté. En plus accepté qu'il avait assassiné 11 personnes dans sa déclaration à la police, les autorités de Milwaukee ont retrouvé au moins 4 têtes de ses victimes, des organes comme un cœur et un tonneau contenant des restes humains du sou dont de l'acide, entre autres dans le appartement. Dans son témoignage, Dahmer a reconnu avoir commis des actes de cannibalisme. Dans son témoignage, Dahmer a reconnu avoir commis des actes de cannibalisme et de nécrophilie avec les corps de ses victimes. Après un court procès, Dahmer a été reconnu coupable d'au moins 15 et condamné au même nombre de peines à perpétuité. Il a été envoyé à la prison d'État de l'Ohio. 2 ans plus tard, il est mort après avoir été frappé à la tête par un autre compagnon de cellule au cours d'une bagarre en prison. Vous avez probablement déjà entendu parler du tueur du Zodiac en voyant le film dédié, un documentaire où on voit intéressant un peu scabreuse mais passionnante histoire de tueur en série. Si les meurtres de tueurs se sont probablement arrêtés dans les années 70, l'affaire a récemment refait surface après une nouvelle étude de certaines preuves et l'avancée des pistes abandonnées il y a quelque temps. On vous propose un petit tour d'horizon sur les points que vous pourriez ignorer sur cette affaire passionnante. Si beaucoup de tueurs en série espèrent ne jamais être arrêtés, certains ont besoin d'avoir la reconnaissance qu'ils pensent mériter. Ils contactent eux-mêmes les autorités ou la presse pour avouer des crimes et faire connaître leur nom. Le Zodiac fait partie de cette deuxième catégorie, puisqu'il a lui-même contacté la presse et la police après son premier meurtre vérifié. Même s'il avouait un précédent crime dont on n'est pas certain qu'il soit l'auteur. Pour s'assurer qu'on parle de lui, le Zodiac a envoyé les courriers à plusieurs rédactions de journaux importants. Elle est poussée à les publier en menaçant de tuer des enfants s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. On peut donc logiquement se dire qu'elle cherchait la femme. Certains psychiatres
avance même qu'il tuait plus pour la notoriété que pour satisfaire de vraies pulsions meurtrières. La plupart des gens passionnés, de manière... La plupart des gens passionnés de moyen âge en assez flippant. Ils collectionnent les guillotines en dépôt de chambre et se déplacent à cheval. Le zodiaque était probablement l'un d'eux, comme le révèle sa tenue inspirée des bourreaux de l'époque, avec une croix d'Odin autour du cou et une cagoule noire. Des goûts vestimentaires particuliers pour certains, un hommage pour d'autres. Mais c'est surtout le costume qui donne une idée particulière du personnage. Le rôle du bourreau est une vision biblique, étrange des meurtres. Dans un courrier, le zodiaque disait que ses victimes deviendraient ses esclaves au paradis. Lorsque le tueur s'est attaqué à un jeune couple dans la ville de Valero, il a tué Darlene Ferrin, la femme. Mais parti en laissant pour mort Michael Majo. L'année d'après, en s'attaquant au couple de Brian Hartnell et Cecilia Shepard, le tueur a laissé une deuxième fois l'une de ses victimes encore en vie, persuadée à nouveau d'avoir tué les deux cibles. Les deux survivants en étaient en mesure de décrire les vêtements du tueur, sa voix, les quelques mots qu'il en échangeait avec lui et en aidait à monter à porter robot estimatif de que s'est caché derrière le masque, de sa carrure et de ses accessoires. Pendant une longue partie de l'enquêteur, les suspicions des enquêteurs se sont dirigées vers Arthur Lee Allen. L'homme solitaire avait déjà déclaré vouloir tuer des couples et savoir comment maquiller et changer son écriture. Pendant des fouilles, à son domicile, on a trouvé une machine à écrire qui correspondait au modèle utilisé par le tueur et qui était assez rare, ainsi qu'une croix similaire à celle de la tenue du zodiaque. Malgré tout cela, ces preuves étaient jugées secondaires et n'ont jamais été suffisantes pour incriminer Arthur Leigh Allen et le mener jusqu'à un procès. En 1970, le Zodiac a envoyé au San Francisco Chronicle une lettre pour demander s'il avait réussi à décoder son dernier message. Ce qui n'était pas le cas, mais en plus de le laisser galérer là-dessus, le Zodiac aurait joint dans cette nouvelle lettre une nouvelle énigme qui ne serait autre que son nom. Sur les quatre courriers énigmatiques envoyés par le Zodiac, deux n'ont toujours pas été déchiffrés. Plusieurs pistes laissent penser que le Zodiac aurait été militaire dans sa jeunesse, et plus précisément marine. L'une des méthodes de chiffrement utilisées dans certaines de ses lettres provient d'un manuel militaire distribué aux soldats dans les années 50. D'autre part, les traces de pas laissées par le tueur correspondraient à un type de botte donné aux marines. Sans parler de la connaissance du Zodiac, de la ville de Valero, où il a tué plusieurs victimes qui est un site de marine. En 2018, plusieurs pièces à conviction, dont des enveloppes envoyées par le Zodiac, ont été confiées à un laboratoire pour faire des recherches ADN. L'idée était de récolter des traces laissées par les tueurs et de les comparer avec les principaux suspects en fonction de leur généalogie. En utilisant les données généalogiques des familles disponibles en ligne, on a été en mesure de comparer des traces et d'éliminer certains suspects, dont le fameux Arthur Lee Allen. En février 2022, l'auteur Jared Kobeck
a publié un livre intitulé « Comment trouver le zodiaque », sur lequel elle a commencé à travailler pendant la pandémie. Le but de ce livre n'était pas de prétendre qu'il avait trouvé l'identité du tueur, mais de se concentrer sur un nouveau suspect pour voir si une théorie plausible en émanait. Ce suspect s'appelle Paul Dodge, et d'après le Los Angeles Magazine ainsi que le chercheur et auteur Paul Ennis, Paul Dodge serait le meilleur suspect à jamais avoir été avancé dans l'affaire du Zodiac. Pour commencer, Paul Dodge aurait vécu à Valero une bonne partie de sa vie, expliquant la connaissance de la vie par le zodiaque. Physiquement, il avait une carrure qui colle parfaitement aux descriptions, grand et musclé, enrobé. Dodge aimait écrire dans plusieurs zines, l'un dont il était lui-même le créateur, et certains tournures de phrases, formulations, fautes, tics d'écriture, thèmes abordés et caractéristiques se retrouvent totalement dans les lettres du Zodiac. Dans une lettre envoyée en 1974 au rédacteur en chef d'un zine dans lequel il écrivait, Dodge déclarait avoir déjà tué plusieurs personnes. Les meurtres du Zodiac aurait arrêté en 1969. Comme le tueur, Dodge aimait l'énigme, principalement l'énigme chiffrée à décoder. Elle en avait même créé et publié certains dans ses fameux zines. Elle avait écrit dans l'un de ses textes amateurs de mode emploi pour fabriquer une bombe maison. Ce que le Zodiac également avait fait dans l'un de ses courriers à un journal. Dernier hobby étonnant, Dodge aimait les reconstitutions historiques. Il participait à certaines manifestations en se déguisant, ce qui pourrait expliquer la possession d'un costume de bourreau. Sur une photo, on le voit porter un couteau fabriqué par ses soins à la hanche, qui correspond à la description que le survivant du meurtre de Valero a donné du couteau qu'avait le Zodiac à la taille. Dodge aurait servi un an dans l'armée avant d'être renvoyé pour avoir tenté de planter une fourchette dans la gorge de quelqu'un. Dans sa vie privée, il était violent avec sa famille et sa propre fille, a déclaré que la violence avait toujours fait partie de son caractère. Dodge avait écrit dans plusieurs lettres qu'il était contre la déclaration de possession d'armes à feu et qu'il avait lui-même plusieurs armes non enregistrées qu'il s'était procurées hors de l'État de Californie. Mais les plus troublants est que Dodge avait écrit plusieurs articles sur les tueurs en série, jusqu'à créer un zine complètement dédié aux tueurs en série, paru entre 1970 et 1979. Il avait abordé et étudié plusieurs cas célèbres de sa région et des États-Unis, mais jamais, à aucune reprise, il n'a pas parlé du Zodiac. Difficile de penser qu'il s'agisse d'un simple oubli, vu que le tueur avait fait énormément parler de lui dans tout le pays, pendant la décennie précédente et notamment dans l'État où Dodge a vécu la majeure partie de sa vie. Dans son livre, Jared Kobeck relève des dizaines de petites informations qui sont toutes indirectes, mais qui, une fois posées sur la même toile, dressent un tableau qui ressemble énormément au tueur. Dodge possédait une voiture bleue,
dont le modèle avait été aperçu au lac Berryessa le jour des meurtres du Zodiac. Il faisait les mêmes références musicales et littéraires que le Zodiac dans ses lettres. Il collectionnait les timbres commémoratifs et le Zodiac avait envoyé plusieurs courriers estampillés de timbres de la circulation. Il travaillait dans la base navale de Valero, l'endroit où l'on pense que Zodiac avait servi en tant que militaire et où il aurait pu se procurer des bottes Windwalker, un modèle réservé aux militaires que portait le Zodiac. Après avoir lu le livre et aidé l'auteur à obtenir des informations Gloria d'or, la fille de Paul d'or a déclaré qu'elle trouvait plus que plausible la théorie sur son père. Elle avait quitté le domicile familial en 1968 à cause des excès de violence de son père, peu de temps avant le premier meurtre revendiqué par le Zodiac. Pour le moment, rien ne justifie la théorie de l'auteur, mais elle montre surtout un suspect plus que potentiel et prouve que l'affaire reste extrêmement énigmatique plusieurs décennies après s'être déroulée. Londres, 1887. Le jubilé de Victoria est célébré en grand pompe. Il consacre un demi-siècle d'un règne idyllique et populaire. Depuis 1877, la reine y porte aussi le titre éclatant d'impératrice des Indes. Londres, automne 1888. L'opinion publique est inquiète et désorientée à l'origine du trouble. Un événement qui accapare la première page des journaux. Une série de terribles meurtres, dites-vous, aux mêmes mains diaboliques, délibérément organisé et accompli par une personne qui n'est pas novice en ce travail. Leur occurrence a de brefs intervalles dans la certitude que les deux crimes de dimanche matin ne seront pas les derniers du genre. Écrit le Times de lundi 1er octobre, la police, prise en défaut, semble attendre impuissant d'un nouveau crime la chance de découvrir la bonne piste. Cet assassin, qui n'a pas de visage, a pourtant un nom, ou plutôt un sobriquet, quand il écrit aux organes de presse. Il signe Jack de Ripper, Jack l'éventreur. J'ai décidé de m'occuper des putains et ne cesserai de les éventrer tant qu'on ne m'aura pas agrafé. Voyons les faits. On attribue à l'éventreur bien des crimes. On ne prête qu'aux riches, mais il ne semble pas en avoir commis plus de 6. Dans la courte période du 31 août au 9 novembre 1888, et dans un quartier de Londres, bien délimité sur la rive gauche de la Tamise, moins d'un kilomètre carré de l'Est Inde, entre les docks, la tour des Bishopsgate Row, l'arrondissement de Whitechapel. Il faudrait un pain élargir ce secteur sur 6 forfaits avérés. En ajouté, les 3 à 9 autres généralement écartés. Toutes les victimes sont des femmes. Des prostituées de bas étage, des alcooliques chroniques, des clochards. La plus belle, pour reprendre la cruelle description de Colin Wilson, était Mary Colley. Une Irlandaise massive qu'on aurait cru capable de mettre un cheval coup d'un simple uppercut. Et à contempler les photographies des services criminels de l'époque, ni Catherine Eddowes, ni Martha Tabram, ni Alice McKenzie, ni France Collis ne paraissent davantage de nature à exciter le moindre désir sexuel. Même en tenant compte de leur ultime souffrance,
des mutilations et des blessures. On est irrésistiblement tiré vers l'image. C'est répandu au XIXe siècle, de fin parvenue au dernier degré de la déchéance. On évoque Nana d'Émile Zola et la décomposition devenue sous l'effet du ferme dont elle avait empoisonné un peuple venu de lui, remonté au visage. Chacune des victimes a été tuée selon la même technique. Elles ont été saisies par derrière, ont eu la gorge tranchée et surtout, sauf dans un cas, elles ont été horriblement mutilées. Catherine Idos a été éventrée à l'aide d'un couteau acéré. Ses intestins lui ont été arrachés et enroulés autour de l'épaule droite. Une partie de foie a été découpée. Elle a aussi été défigurée. Les cils ont taillé le lobe de l'oreille droite tranché, comme on le voit sur sa photographie mortuaire. Elle a fallu attendre 1975 avec l'ouvrage de Donald Dumblo pour qu'un éditeur accepte de publier le plus insupportable de ces clichés, comme celui de Marie Colley, prise aussitôt après la découverte de son corps dans Miller's Scout et dont les seins et les reins sont déposés à côté d'elle. Tous les crimes ont été commis de nuit, entre minuit et 5 heures, le premier ou le dernier week-end du mois, à l'heure de la nouvelle lune ou du dernier quartier de la vieille lune. De là, le succès, un temps. Lunatique ou pas, celui-ci a agi avec une tranquille audace. William Stewart, auteur d'un Jack the Ripper, 1939. Rapporte l'expérience qu'il a tentée à Mitre Square, où Catherine Eddowes fut assassinée le 30 septembre 1888. Le quartier avait peu changé et vers minuit, dans le silence de la nuit, il put vérifier avec quelques amis que le plus petit bruit était amplifié de manière étonnante. En 1888, un garde de nuit veillait à proximité. Mais ce risque n'avait pas découragé le meurtrier, qui d'ailleurs commit cette nuit-là 2 assassinats. L'autre victime étant Elizabeth Stride, tuée peu auparavant à quelques 800 mètres de là. Il est vrai que, parfois, le bruyeur londonien, le fog a pu être un complice idéal et permettre à Jack de franchir sans encombre les barrages de police. Enfin, l'épidémie des crimes, sinon la panique provoquée, s'arrête brusquement après le 9 novembre 1888. La police n'a pourtant pas identifié le meurtrier dont le masque ne fut jamais levé. Aujourd'hui encore, toutes les hypothèses sont autorisées, malgré le temps péremptoire des spécialistes successifs de l'éventreur. Le choc produit sur les contemporains a été prodigieux. Il constitue en lui-même un fait historique. Il s'y mêle l'inquiétude bien naturelle des Londoniens, en particulier des habitants de l'Est, le sentiment d'horreur devant la cruauté imaginable des crimes, la curiosité fiévreuse de connaître l'assassin. Ce n'est pas par hasard que le public fera l'année suivante, 1889, un triomphe à Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, créé alors le personnage avec le signe des quatre. Mais d'autres sentiments, d'autres troubles percent à travers les réactions. Pour les comprendre, il faut derrière le décor fastueux des jubilés de 1887 retrouver l'atmosphère londonienne de ces années 1887 à 1989.
En effet, malgré le réconfort d'un système politique solide, de plus en plus démocratique, l'inquiétude grandit. 15 ans d'une crise économique devenue endémique ont sapé la foi dans les promesses du capitalisme. Les concurrences, son âpre, celle des pays neufs amène l'effondrement des prix agricoles et ruine en partie les accompagne. Celle des Allemands, des Français, des Italiens, des Américains réduit les débouchés de l'industrie et provoque une conversion difficile vers le marché intérieur. En 1890, la production industrielle des États-Unis dépasse celle du premier atelier du monde. Ce fait prendra toute son importance qu'à la lumière de l'histoire. Pour l'heure, malgré les migrations et malgré l'Empire, l'espace semble se rétrécir et les Britanniques être trop nombreux. Le chômage touche un dixième des syndiqués, pourtant recrutés surtout parmi les travailleurs qualifiés, les moins exposés de la classe ouvrière. Les prolétaires restent sourds aux arguments des bourgeois qui leur représentent l'amélioration considérable de leur niveau de vie, survenue depuis une trentaine d'années. Du reste, les classes supérieures ne sont pas très sûres que la guérison des maux les plus criants soit pour demain. Malgré l'amélioration de l'appareil policier, l'ordre est fragile. Ses partisans ne font guère de différence entre la menace de la révolte sociale et celle de la criminalité ou de la délinquance élémentaire. Toujours c'est la propriété qui est visée. Les bas-fonds victoriens ne sont pas seulement ces ruelles horribles avec leur armée de mendiants. D'écrocs, de pickpockets, d'assassins, de prostituées, ce ne sont pas uniquement ces visages émaciés, ces ruines humaines si magnifiquement représentées dans les dessins de Gustave Doré. Ce sont aussi les lieux audits où les prothèses d'un monde nouveau prêchent l'avènement des classes inférieures. Au terme de cet article, le lecteur éprouvera sans doute un sentiment de frustration. Nous ne lui avons pas apporté la clé de l'énigme et il est très peu vraisemblable qu'elle soit découverte un jour. Il n'y a guère à attendre de documents nouveaux. On a déjà fait état, dans le passé, de confidences échangées entre camps détenus, de confessions de morons, et si nous ne sommes pas revenu sur les hypothèses nées de ces révélations. Pas tout à fait. En notre siècle de massacreurs de collectivités entières, il n'était